Les apports du numérique pour les professionnels de santé, ils sont nombreux, mais pour moi, le principal apport, c'est la fluidité dans la prise en charge des patients, tant côté professionnel de santé que côté patient. La première priorité, c'est faire en sorte que l'écosystème évolue à la même vitesse. C'est indispensable, parce qu'à partir du moment où vous avez un acteur qui n'avance pas à la même vitesse, le développement des cas d'usage est extrêmement compliqué. Donc pour moi, c'est vraiment cette première priorité. La deuxième priorité, c'est la culturation de l'ensemble des professionnels de santé et des patients. La feuille de route 2023-2027, elle est la prolongation de la première feuille de route. Elle reprend en partie les mêmes priorités. Alors, pour moi, il y a deux priorités qui sont importantes. Le gain de temps médical, qui est un élément indispensable. Il faut absolument qu'on diminue la pression administrative pour redonner du temps médical. L'autre priorité, moi, qui me semble indispensable, c'est l'exploitation secondaire des données pour permettre derrière de mettre en place une stratégie de prévention qui soit efficace.